Cabriolet, eh, 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 eh,
l'apocalypse entière remplie de mines. S'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi vivre. Alors, elle est un peu spéciale. Elle est célibataire. Elle a le visage pâle et les cheveux en arrière. Un peu spéciale, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues. Et c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. C'est comme ça.
Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, cheveux en arrière. Et j'aime ça, mais je vous jure, elle est tellement si belle quand elle meurt. Cet été, en vacances, j'ai fait une petite visite à la plage. Je suis allée à San Teodoro avec une amie qui s'appelle Laurie. Et pour la petite histoire, j'étais allongée dans le sable
Et j'avais rien emmené avec moi, rien pour écrire. J'avais envie de me vider la tête. Et j'ai pris mon portable et j'ai dit, attends Laurie, il faut absolument que j'enregistre quelque chose. Et j'ai pris le microphone de mon portable et j'ai chantonné ce petit truc et je me suis dit, quand je rentrerai dans une semaine, j'en ferai quelque chose, c'est sûr. Et avec ce morceau, j'espère mettre un peu de soleil, un peu de chaleur sur la peau, un peu d'été. C'est San Teodoro. Sans laisser un mot, matinal, je le suis comme dans le grand saut. Sensation de folie. Ça brûle et ça monte à la tête quand tout
passer, tous s'envolent en fumée. Là, c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça me fait pleurer, et ça s'envole en fumée. Et on va encore parler d'une mauvaise habitude. Tequila, 1, 2, 3, j'ai la bouche qui brûle et les mots sans loi. Tequila, c'est pas moi qui finirai seul comme au cinéma. Tequila, 8, 9, 10, tout le monde dit les gentils, un fait d'artifice. C'est tequila, je t'attriste, le sourire aux lèvres, c'est un délice. Tequila, 10, 11, 12, 1, j'ai les joues qui rougissent. Et la m'empale, j'ai bien compris que sans compagnie je coule. Tequila, tequila,
BPM là, 133 BPM. Alors on va danser encore, on va danser encore un peu plus fort. C'est tu sais me manquer, tu sais me manquer, tu sais y faire, tu sais me manquer, tu sais. Tu sais me manquer, et j'aime ça.
je peux y aller. Yeah. J'imagine que j'allais oser faire le premier pas, c'est que tu t'es trompé sur moi. Et si tu veux bien rester. Salut à tous, on est super contents de vous retrouver à la Maison Bleue ce soir pour un live de Claire. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ton univers musical et avec qui tu es sur scène ? L'univers musical, je dirais que c'est une pop assez solaire, plutôt électro, j'aime bien faire danser. Et je suis accompagnée de Benjamin Rose, qui est aussi mon meilleur ami sur scène, voilà, tout le temps. Cette année, tu as sorti ton premier album qui s'appelle Nightclub. Est-ce que c'est pas
un peu trop bizarre en ce moment de sortir un album qui s'appelle comme ça et qui parle de nightclub alors que il y a tous les clubs qui sont fermés. Comment tu fais pour vivre le contexte en ayant l'univers que tu as? Alors, il est sorti avant, donc ça, c'est cool. Il est sorti avant, on savait pas encore que ce serait l'Apocalypse. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Apocalypse dessus. On savait pas encore, on l'a sorti. Et puis après, voilà, faut vivre en son temps et faut savoir accepter les choses aussi. Et avec légèreté, et puis c'est comme ça, c'est tout. Donc on s'est dit que voilà, l'album est sorti, on a eu la chance de pouvoir le faire vivre quand même, de faire quelques dates, ou comme aujourd'hui, de pouvoir filmer des lives, etc., et de pouvoir jongler avec cette situation. Non, ça me paraît pas bizarre. Et puis c'est vrai qu'avant, on a eu le temps de profiter encore un peu. Et puis moi, il y a un truc que ma mère me dit tout le temps, c'est tout passe dans la vie, quoi. Même les pires choses, tout passe. Et c'est sûr qu'on va pas stagner comme ça et qu'on va pouvoir retourner dans les clubs et on va pouvoir danser à nouveau, c'est sûr et certain, j'en suis persuadée. On a hâte en tout cas. En ce moment, tu as un projet qui s'appelle L'Amour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste? L'Amour, en fait, c'est une compile de morceaux que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune. Majoritairement des chansons écrites par des hommes chantées pour des femmes. Et c'était assez drôle pour moi de jongler avec ça, que ce soit par exemple Revolver. Ou la prochaine qui sort là de Cabrel, Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, c'est vraiment de pouvoir jongler avec ça et puis au final de me jouer un peu des genres et de me réapproprier les chansons, mais c'est pas vraiment le cas parce que c'est des grosses pépites de la chanson française, donc je me permettrai jamais, mais juste de poser la voix dessus et d'un peu jouer avec les instrus. Et du coup c'est Valentine Cascaille qui est une très bonne amie à moi qui est en design graphique, qui s'occupe justement de la DA, du projet. C'est avec elle qu'on a commencé justement à avoir ses idées. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu chanterais pas du Cabrel ou du Johnny ou des choses comme ça? Et du coup, on est parti là-dessus. Et puis au final, c'est assez drôle. Et on a décidé avec le label Dièse 14 de continuer dans cette voie-là. C'est un registre que tu écoutes d'habitude ou pas du tout, c'était un hasard et c'était un peu le délire? Non, c'est un registre que moi j'ai écouté souvent quand j'étais plus jeune. Moi, ma mère est fan de Cabrel, j'ai fait aussi beaucoup les Voix du Sud, Astafor avec justement ces formations-là. C'est grâce à eux que j'ai commencé à écrire des textes en français. Et du coup, c'est des morceaux que moi j'écoutais déjà dans mon salon quand j'étais gamine, quand ma mère ou mon père, voilà, on était le dimanche matin, on écoutait ça à fond sur vinyle ou quoi, et c'était leur jeunesse à eux. Donc moi, forcément, ils m'ont retranscrit tout ça, et c'est super drôle aujourd'hui de le refaire et de remanier un peu ces instrus de manière un peu plus électro, un peu plus dansante, ou même des fois assez funky avec des basses. Ouais, des basses qui sont bien chaloupées, qui donnent un peu envie de bouger des épaules par rapport à Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, qui de base est quand même une musique qui est arrangée avec une guitare acoustique. Là, c'était assez drôle du coup de mettre plein de vieux synthés analogiques, etc. dessus et de jongler avec ça, quoi. Tu l'as dit, t'es dans un genre un peu funky, un peu dansant. Comment tu t'adaptes à la situation en ne pouvant pas avoir de public? Est-ce que t'arrives quand même à t'éclater en faisant des choses sur scène, que ce soit sur Internet? Comment tu t'adaptes? J'essaye quand même de réinventer certaines choses. Il y a des moments où... Alors forcément, je pense qu'en tant qu'artiste, et on est un peu tous dans ce cas-là, on peut pas forcément donner le même amour qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire sur scène, et on voit les gens qui sont en train de danser tous ensemble, et puis moi il y a un truc qui me manque, ça va vous paraître tout con, mais c'est l'odeur de la chaleur, de la sueur des gens qu'il y a dans les salles de concert, quoi. Même ça peut paraître crado dit comme ça, mais la première odeur qu'on a quand on rentre dans les clubs, de la machine à fumer mélangée avec trucs, et puis l'odeur des cocktails et machin, et c'est ça, moi, qui me manque. Alors, je pense que forcément, c'est difficile de trouver de l'inspiration là-dedans, mais il y a plein de moyens de se réinventer, et c'est ce que je disais au début, c'est vivre en son temps et accepter la situation comme elle est et te dire que ça va revenir de toute manière. Donc après, voilà, il y a des lives comme ça, on a eu la chance de pouvoir jouer à l'autre canal à Nancy avec la distanciation, les gestes barrières et tout.
Mais ça reste, encore une fois, pas pareil. Y a quelque chose... voilà, les gens sont masqués et tout. Et même quand on faisait des concerts à l'époque, t'avais vraiment cette ambiance-là où, même entre les morceaux, même s'il y a le silence, il y a même le bruit d'un jean qui frotte, même le, tu fais ça fois 300 ou 400 personnes, et ben ça change tout de suite l'ambiance, quoi. C'est tout con. Mais du coup, voilà, il y a toujours moyen de se réinventer, de faire des lives sur Insta, sur trucs, voilà. Mais ça ne reste pas pareil qu'un vrai concert avec plein de gens qui sont chauds, qui ont envie de danser, qui ont bu une ou deux bières et voilà. Et qui puent. Oui, voilà, c'est ça, et qui puent. Et du coup, tu ne nous as pas apporté de déodorant ce soir, mais tu nous as apporté quelques petits cadeaux. Est-ce que tu peux nous montrer ? Ouais, c'est bien ça. J'ai apporté un cadeau, du coup, le CD Nightclub. Voilà, à gagner sur la page Facebook, partout, je pense. C'est ça. Et bah, il suffit de mettre un petit commentaire sous cette vidéo et puis peut-être que vous serez tiré au sort pour gagner le CD. Et pour danser très fort. Voilà. Et puis... En tout cas, merci d'être venu ce soir et puis bonne continuation. À la prochaine. Bah, merci à vous. À la prochaine. Salut.